Sera sortie, j'irai me promener. Tu vas te promener sur la lune? Non. Tu vas aller dans la forêt? Bien sûr. Oh, et tu n'as pas peur du noir? Pas du tout. Pourquoi? Devine. Tu n'as pas peur parce que tu es un fantôme? Non, je ne suis pas un fantôme. Tu as une super lampe de poche, c'est pour ça que tu n'as pas peur. Non, je n'ai pas peur parce que je vois très bien dans le noir. Ah, j'ai compris, tu es un chat. Non, j'ai de grands yeux ronds. Non, ce ne sont pas mes yeux. Oh, tes yeux, on dirait de grosses billes dorées. D'habitude, j'ai deux pattes. Quel genre de pattes? Regarde, la lune. Parfait, je m'en vais alors. Tu n'allais pas te promener? Oui, pour faire peur aux souris. Et comment tu fais? D'abord, je me déguise. Ensuite, je me cache et... Les chats ne font pas ouh, ils font miaou. Attends, attends. Un animal avec des pattes, des ailes, un bec et deux gros yeux ronds. Ça y est, je sais. Tu es un hibou. Ça alors, comment tu as fait pour deviner? Je suis beau, n'est-ce pas? Oui. Dans la forêt, tout le monde me trouve beau. Ah bon? Et pourquoi? Devine. Je ne sais pas. Tu as de beaux cheveux? Non, j'ai des poils courts et marrons. Et maintenant, tu me trouves comment? Petit. Zut, j'ai oublié mes pattes. Mais ces pattes-là ne sont pas à moi. En plus, j'ai quatre pattes. Tu as besoin que je te pousse? On dirait que ton derrière est un peu long. Oh, mes pattes sont minces et très agiles. Non seulement je suis beau, mais avec mes cornes, je suis presque invincible. Quelles cornes? Non, pas celles-là. J'ai plein de cornes et elles sont très hautes. Oh. Tous les mâles de ma famille ont des cornes que l'on appelle des bois. Ces bois poussent lorsqu'on grandit. Ils poussent pendant toute l'année. Et au printemps... Oh, ils sont tombés! Eh oui, et tous les ans au printemps, ils tombent. Oh, quel dommage! Mais ne t'inquiète pas, ils repousseront durant l'été et ils seront encore plus grands. Attends, attends! Un animal qui vit dans la forêt avec une fourrure marron, quatre pattes très agiles et des bois qui tombent au printemps. Ça y est, je sais! Tu es un cerf! Ça alors, comment tu as fait pour deviner? Qu'est-ce que tu cherches? Devine. Ton nounours? Non, je cherche ma maman et mes petits frères. Tu les as vus? Non. Parce que je vais les chercher tout seul. Je n'ai pas besoin de ça. Je sais marcher comme les grands, avec mes longues pattes pointues. Mais pas des pattes comme ça. Voilà, comme celle-là. Elles sont belles, tes pattes. Tu n'applaudis pas? Je ne peux pas. J'ai des ailes trop petites. Des ailes? Mes ailes ne sont pas aussi jolies. Elles sont toutes petites et toutes rondes. À force de courir partout, je commence à avoir faim, moi. Et les biberons, c'est pour les bébés. Moi, je mange du blé, des insectes, des vers de terre, des escargots. Tout ça? Bien sûr, je dois manger beaucoup pour grandir. Et avec quoi tu manges? Avec mon bec, il est tellement dur que je peux même casser les pierres. J'aimerais tellement me serrer contre ma maman. Maman, je veux ma maman. Mais tu n'as pas de plume pour te réchauffer? Non, j'ai des poils tout fins. Achou! Oh, c'est joli. Tu ressembles à un pompon avec des pattes. C'est ma maman. Ma famille m'appelle.
fais? Je chasse les vers de terre. Ça alors, comment tu fais? Devine. Non, ça c'est pour les papillons. Pour chasser les vers de terre, il faut un museau pour flairer la terre. Raté. Normal, je ne peux pas les attraper. Ils sont de bonnes pattes pour creuser. Elles sont comment ces pattes? Elles sont courtes avec des griffes. Encore raté. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Quand on m'embête, je me mets en boule. Comme un ballon? Alors, je peux taper dedans, dis, juste une fois. Attention, si tu me touches, je pique. Tu piques? Comme papa quand il ne se rase pas? Non, je pique parce que je suis couvert de piques. J'en ai beaucoup plus. Les piquants sont plus longs. Enfin, ceux-là, ce sont mes vrais piquants. Oh. Attends, attends. Un animal qui chasse les vers de terre avec quatre petites pattes, un museau pointu et des piquants sur le dos. Ça y est, je sais. Tu es un hérisson. Ça alors, comment tu as fait pour deviner? Qu'est-ce que tu fais? J'adore me cacher et me déguiser. Et en quoi tu te déguises? Devine. En anémone de mer. Non. En sous-marin. Non plus. Regarde. J'ai compris, tu changes de couleur. Oui. Waouh, tu t'es déguisé en étoile de mer. Mais non, ce que tu vois là, ce sont mes 8 tentacules. Tes tentacules sont pleins de boutons. Ce ne sont pas des boutons, ce sont mes ventouses. Mes tentacules, ce sont mes bras. Et à quoi ils te servent tous ces bras? Je ne suis pas un manège. Tu as l'air un peu molle quand même. Je ne suis pas molle, je suis souple, regarde. Tu es drôlement bien caché, dis. Oui, mais quand je veux vraiment me cacher... Plus personne ne me voit. Chouette. Attends, attends. Un animal qui vit au fond de la mer, avec un corps très souple qui peut changer de couleur, avec de gros yeux et des tentacules très flexibles. Ça y est, je sais. Tu es une pieuvre. Ça alors. Comment tu as fait pour deviner?